Plus de mystère. Le sultan roi des Bamoun n'est plus. Le collège des Com, notable intronisateur, a confirmé l'information qui circulait déjà dans la nuit du lundi 27 septembre 2021. L'annonce de la triste nouvelle a plongé en larmes la foule présente. Cette disparition de Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, 19e roi de la dynastie de Charien, impose désormais au peuple Bamoun le respect de certaines exigences faisant partie de leurs us et coutumes. Ils ont fait les rites d'usage et ont annoncé solennellement la disparition du roi au peuple Bamoun. Et ont aussi appelé le peuple Bamoun tout entier au respect de ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le port des coiffures interdite à tout le monde dans l'enceinte du palais. Les fils du roi, la famille royale, devraient arborer, n'est-ce pas, des fils noirs, soit sur les coudes, soit sur les chevilles. Le reste des peuples bamoun devraient porter des fibres de raffia. Dans la cour du palais royal, les recueillements ont déjà commencé. Certains vantent les qualités de l'illustre disparu. Un grand homme, un rassembleur, quelqu'un qui avait levé les barrières tribales. Il était loin d'ici. Le palais royal de Foumban reste scellé. En attendant, l'organisation des obsèques de celui-là, qui a régné pendant 29 ans.